Nordique Magazine, l'application du Nordique sur smartphone et tablette. Pendant trois jours, les représentants des plus grandes courses populaires de ski de fond dans le monde étaient réunis à Champagnole dans le Jura à l'occasion du congrès annuel de la Worldloppette. En fait, on a chacun un peu notre orientation, notre culture, mais on essaie de rassembler les choses pour faire avancer, pour que les coureurs de masse, que les courses populaires, que le nombre augmente, sachant qu'il y a quand même sur l'ensemble 130 000 skieurs qui viennent sur le circuit Worldloppette. Donc c'est quand même assez conséquent, assez important, quoi. Il faut dire qu'au fil des ans, la famille de la Worldloppette s'est bien agrandie. Well, on a commencé avec 8 courses, maintenant on a 20 courses dans tout le monde. On a 130 000 coureurs toute l'année. C'est une famille qui vient plus grande et plus grande. À l'invitation de la Transjurassienne, haute cette année, 19 des 20 épreuves labellisées participaient donc à des ateliers pratiques avec un objectif commun. Toucher encore de plus en plus de skieurs. Alors, c'est la collaboration entre chacun des pays pour promouvoir le ski de fond à l'international, puis de promouvoir aussi beaucoup le côté populaire et non seulement le côté élitiste du ski de fond. Qu'il s'agisse de la Canadienne Gatineau-Lopette qui cherche à se faire un nom dans ce prestigieux calendrier des longues distances ou du Marathon de Langadine en Suisse, chaque organisation a finalement quelque chose à prendre et à apprendre chez ses homologues. C'est un échange qui a une grande valeur, donc c'est la possibilité de changer des expériences et des propos sur nos courses pour s'améliorer. Donc c'est un meeting qui a une grande valeur pour nous tous. Il y a vraiment tous les caractères de course ici, des énormes épreuves comme la Vasaloppette, mais aussi les nouvelles épreuves qui viennent d'arriver, qui sont tout petits, qui n'ont pas une culture nordique. Et quel que soit le caractère de la course, on a toutes les choses à partager. Et chaque personne a sa place, chaque course a sa place. Ces journées sont aussi l'occasion pour chaque organisateur de course de mieux se connaître et de vivre d'agréables moments de convivialité. Représentante au sein du comité exécutif, Annette Lamy-Chapuis a ainsi reçu son diplôme de master de la Worldloppette, récompensant l'accomplissement de 10 courses du célèbre circuit.